Lune incomplète. Là, il se souvient de son passé, c'est sa fille qui lui a permis de ne pas perdre pied, même plongée dans un quotidien de ténèbres jusqu'à ce qu'elle soit tuée par l'ordre de chevalier de l'épée de lumière. Ah, ça va être l'épisode de background, comme on a eu pour Cetus, peut-être qu'il soit tombé amoureux. J'étais un insurgé et méprisé, traîné plus bas que terre. Dans l'obscurité, je goûtais à la boue. Mais je m'en accommodais, ça ne m'était pas désagréable. Certes, je ne pouvais ni voir l'éclat du soleil, ni admirer l'aube, mais il y avait la lumière de la lune. Ah, oh, petite musique. Ah, c'est vrai qu'elle ressemble quand même vachement. Papa, moi je t'aime, tu sais. Ça fait tellement longtemps qu'on souffre, ça ne serait pas étonnant que tu te mettes à haïr le monde entier. Mais tu ne te laisses pas dominer par la haine, n'y cède pas. Tu fais que châtier le mal ici, Eizunia, tout comme tu le faisais autrefois. Nous tenons grâce à toi. Je te remercie, papa. Je t'aime si fort. Pourquoi n'ai-je pas pu lui dire une chose aussi simple? Simplement lui dire que moi aussi je l'aimais. Lui dire aussi que je n'ai jamais douté, car elle était là, telle une lueur éclairant ma route. Je t'aime aussi quand tu ne dis rien. Si seulement je pouvais remonter le temps, je me mettrais sans doute à me lamenter de façon pathétique, à parler sans fin. Je voudrais même la serrer fort dans mes bras. Mais tout ça, c'est le passé. Quand j'ai vu une forme gisant sur le sol, j'ai immédiatement su que c'était elle. Je m'étais déjà longtemps préparé à cela. Je savais... Tant que nous resterions tapis dans l'ombre, poursuivis par le soleil du mensonge, je savais que ce jour pouvait arriver. Voilà pourquoi je... Merci. Tu es la chair de ma chair, tu as combattu avec moi et tu m'as fait voir la lumière. J'en suis reconnaissant. Voilà ce que j'ai dit lorsque j'ai relevé le corps de ma fille. C'est en tout cas ce dont je me souviens. En vérité, je ne suis pas sûr. Peut-être n'ai-je fait que me lamenter, ai-je laissé couler une larme. S'il y a une chose dont je sois sûr, c'est que nous finirons par rendre sa gloire à la lune de la vérité. Depuis ce jour, je ne suis plus un insurgé, je suis devenu un homme en quête de vengeance. Ah, Lloyd. Compréhension. Erika doit cesser sa progression vers le repère de la nuit éternelle lorsqu'Eris apparaît et interpelle la jeune servante. Cette dernière refuse de la rejoindre, mais la prêtresse insiste. Erika finit par lui dire qu'elle la classe également parmi ses ennemis. Elle est en mode bip-boop Robocop. Soit tu me laisses passer, soit tu es un ennemi. Erika, tu es saine et sauve. Je vois à son expression qu'elle est sincèrement inquiète pour moi. Elle s'inquiète réellement. Oui, mais je dois vous laisser. Erika, attends, s'il te plaît. Je comprends que tu ne puisses pas me faire confiance, mais je t'en prie. Ne veux-tu pas rester avec moi? Moi-même, je n'ai aucune réponse à apporter, et pourtant, je veux être parmi tous les autres. Je refuse, pour le moment en tout cas. Mais pourquoi? Tu ne peux pas dire pourquoi tu agis avec la nuit éternelle, tu ne peux rien dire, ni à leur sujet, ni au tien, tu ne peux pas non plus coopérer avec moi. Tu ne fais qu'agir pour ton propre compte, tu irais jusqu'à te débarrasser de quiconque te gênerait, qu'il s'agisse de moi ou d'Arissa. C'est vrai, je ne fais qu'agir pour mon propre compte. Nul besoin de répondre à cela. Erika, je... Vos histoires ne m'intéressent pas. Oh. Je trace mon propre chemin. Pourquoi pensez-vous que je veuille me joindre à vous? Et puis, prêtresse, avez-vous oublié qu'à mes yeux, vous êtes... ce qu'il faut bien appeler un ennemi? Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi me forcez-vous à me souvenir, alors que je n'arrive pas moi-même à enfouir ces souvenirs? Erika, j'ai cru mourir de solitude sans toi à mes côtés. Ne t'en fais pas, Erika, tout va bien maintenant. Erika, reviens, c'est des sauves. Moi seul, je ne pourrais jamais l'arrêter. Que dois-je faire pour sauver la princesse? Où dois-je me rendre pour la retrouver? Et pourquoi? Pourquoi me suis-je retrouvé dans un tel monde? C'est vous qui avez invoqué Nexus et m'avez emmené si loin. Répondez! Ah ben là, c'est pas toi qui parles, Erika. C'est la rage. C'est la rage qui te fait parler. Rien ne va. Oui. Hime-sama.
Elle est pas contente quand elle se souvient d'Ime Sabar. Hein. Terrible Erika. Alors. Pas de tour 1. Est-ce qu'on va avoir quelque chose à remover? Boromir est automatiquement joué. À chaque fois que vous jouez une amulette, soustrait un point à la valeur du compte à rebours de cette dernière. Colette, Sainte-Artilleuse. Sacrée Colette. Okay. Ours du sanctuaire du vent. À nouveau. Sœur et pays, donne gardien à un nouveau combattant. Ah, la danse. Si seulement j'avais assez pour pouvoir la jouer. Je vais pouvoir jouer Escrimeuse Florale par contre. Faire évoluer. Ok. Cette situation a été désamorcée. Oui, bon. Pilipi, oui, bon. Ok, ça devient une 2-4. Je peux maintenant jouer la danse. Est-ce que je le fais évoluer? Non. Ok. Première ligne. Évoluer une 6-6 première ligne. La première ligne ne servit à rien, tant mieux pour moi. On est bien sûr très content. Petit point par ici. Une parure d'or. Ok. Passe à 6. Ah, l'apôtre. Merveilleux apôtre. Il n'y a plus d'évolution. Donc on est plutôt tranquille. Ok. Admettons. Ah non, mais je suis bête, j'ai ce qu'il faut. Il suffit que j'évolue. Bien sûr. J'ai pas tilté. Excellent. Et voilà. Superbe. 20 PV, tranquille. Pas de soucis. En toute sérénité. 40 boules. Ah, ça se bat, hein, ça se bat. Eka, je suis navré. Navré? Pourquoi être navré d'une telle chose? Vous n'avez pas fait que me prendre la princesse. Vous avez aussi pris à tous les autres la chose qu'ils chérissaient.
Je manipule l'épée et sais estimer la force de la volonté de ceux aux côtés de qui j'ai, ne serait-ce qu'une fois combattu. J'ai pu également mesurer vos regrets et la force de vos nouvelles convictions. Je sais que vous regardez devant vous, que vous tentez d'avancer, mais je ne veux pas en savoir plus. Je n'aurais pas dû vous attaquer, je me suis emporté. Veuillez me pardonner. À présent, je vous pose déjà suffisamment de questions sur ce que je dois faire, si c'est pour avoir en plus affaire à vous. Peu importe. Je m'en vais à la recherche de la chose que je me dois d'accomplir. Marika, elle fait des crises de colère, elle tape les gens avec son épée, quoi. Nexus est l'être qui a figé dans le temps la princesse. Je dois le vaincre le plus vite possible. Mais alors, quelle est cette pulsion qui me pousse vers la nuit éternelle? Oh, vous êtes... Eika! Ah! Cours! Eika, attends! Voilà, l'ordre de l'épée de lumière et celui qui gisait inconscient sur le sol est de... Non, sur le sol est de la nuit éternelle. Quoi? Ah oui, non, mais c'est vrai, parce qu'il s'était suicidé. Non, mais ça, c'est un malentendu. Qu'est-ce que c'était? J'ai un mauvais pressentiment, c'était de l'autre côté. Mais c'est Lloyd! Oui, non, oui, j'étais en mode, mais non, le cadavre, il n'est pas de la nuit éternelle, mais ici, il s'est suicidé ensuite. Bien sûr.